Charles III a vécu un moment de stress intense peu de temps avant d'être couronné. Le monarque était agacé par son fils le prince William et Kate Middleton. La raison? Ces derniers étaient en retard. Un petit contretemps qui a fortement agacé le roi Charles III. Sur les images de son couronnement, le nouveau roi d'Angleterre a clairement été excédé par le retard du prince William, de Kate Middleton et de leurs trois enfants, qui auraient mis du temps à rejoindre la procession. En effet, des lecteurs sur lèvres britanniques ont ainsi remarqué que l'époux de Camilla Parker Bowles a eu peur d'être en retard à son propre couronnement. Nous ne serons jamais à l'heure, se serait-il plaint, aux côtés de sa femme qui lui répond quelque chose d'imperceptible. Mais Charles III lui aurait répondu, « Oui, je sais. » Si est-il négatif. Et en effet, le prince et la princesse de Galles sont arrivés en retard pour l'événement, ce qui a entraîné une modification de l'ordre de service. Kate Middleton et le prince William étaient censés arriver et s'asseoir devant Charles et Camilla, selon l'ordre de service officiel du couronnement. Au lieu de cela, ils sont arrivés après Charles, ce qui signifie que le roi a d'abord dû attendre dans sa voiture avant d'entrer finalement dans l'abbaye devant son fils aîné. L'ordre de service indiquait, leurs Altesses royales le prince et la princesse de Galles, la princesse Charlotte de Galles et le prince Louis de Galles arrivent à la grande porte ouest et sont conduits à leur siège dans la lanterne. Tous restent assis. Leur Majesté le roi et la reine arrivent à la porte ouest. Une fanfare retentit. Tous debout. Au lieu de cela, William et Kate se sont tenus derrière le roi et ont pris place alors qu'il entrait déjà dans l'église. Un membre du clergé confirme qu'il y a eu des petits couacs. Un membre du clergé a d'ailleurs admis qu'il y avait eu un ou deux couacs lors du service de couronnement du roi. L'évêque de Chelmsford, le docteur Gully Francis de Cany, a déclaré « Il y a eu une ou deux choses qui ne se sont pas strictement déroulées comme prévu. Je ne vais embarrasser personne en particulier. » Un porte-parole du palais a déclaré que le roi et la reine étaient profondément touchés par la célébration nationale de leur couronnement historique. À propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles est Thomas Pesquet furieux, Ferrarissime, le spationaute français tape du poing. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas mâts? Ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Times through the rough times I